Eh ben, bienvenue au théâtre du Fond du Loup. C'est un peu mon lieu pour quelques jours. Tu dirais pas le code. Donc ici, ben, faut s'imaginer ça rempli. Après un spectacle, les gens peuvent se restaurer. Il y a une scène extérieure. Là, on a un petit peu l'historique du théâtre qui a été créé par Jean-Paul Ouvrard, qui m'a proposé de venir faire la résidence et donc qui a créé ce théâtre il y a plus de 10 ans. Tu fais la visite de la grande salle. Attention, le plafond est bas. Ça doit être sympa de jouer ici. Alors là, je dirais que c'est un peu comme ma chambre pour quelques jours. Regarde, j'ai même mis les pantoufles. Les gens qui viennent me voir pour me faire des retours arrivent d'ici 2 heures, donc il faut que je range et que je m'échauffe. Quelque chose qui invite un peu à la rêverie, une ouverture sur le monde. C'est un peu ce que j'essaye de créer avec ce décor qui est en cours de création. Moi, c'est Orion Venot. Je suis boulanger depuis pas mal d'années, 15 ans. Là, je me lance depuis quelques mois sur un spectacle que j'ai écrit, dans lequel je me mets en scène. C'est quand moi qui avais envie de s'exprimer. J'ai travaillé dans différents coins de France, un petit peu à l'étranger, en Afrique du Sud notamment, ce qui était une belle expérience, avant de m'implanter ici depuis quelques années. Je suis à mon compte comme boulanger, mais c'est un peu particulier. Je fais du pain chez moi, avec un four à bois. Et après, je vais vendre ça sur des marchés. Et j'ai une deuxième activité, c'est de me déplacer avec mon four sur des festivals, dans des écoles, pour faire de l'animation et pour produire sur place. Ils sont contents, les gens du théâtre, d'avoir un boulanger. Yeah. I wanna be as free as the spirits of those into my daughter's eye. Oh, 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 ah, 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 ah. La baraque de Barack Obama aux Bahamas, Tahoma Beach. Tu la connaissais celle-là? Si, si, si près, 600, si, si, 600, si, si, si. Allez. Bah je vais commencer, je crois. Là, c'est vraiment une représentation pour moi-même. Je me permets encore de tester des choses. Et ça, j'en fais plein depuis 3 jours.